Salut tout le monde, je m'appelle Célia et aujourd'hui c'est un grand jour et en plus je suis électrifiée, c'est le jour où j'ouvre le sac. Ipsy! Oh que je suis contente! Alors encore là, il est arrivé super tôt ce mois-ci, on est le 12 août et ils sont tellement arrivés tard le mois passé, mon Ipsy et mon Julep, que j'attendais ça dans vraiment un peu plus tard, donc ça fait que je fais une autre vidéo déjà. Alors, je ne perds pas de temps. Je l'ouvre tout de suite. Et OK, donc, à toutes les fois, j'ai la peur de ma vie de déchirer quelque chose qu'il faut pas. Oh, il y a... Hein? C'est quoi ça? Il y a... OK, c'est la présentation. C'est ça qui m'intrigue. C'est quoi? C'est un parfum? Oh! C'est quelque chose pour les... Oh! On va revenir là-dessus! C'est une affaire pour les mascaras, pour les yeux! Oh! J'aime ça, les mascaras. Donc, c'est ça! Le thème de ce mois-ci, c'est Beauty School. Ça, j'imagine que c'est par rapport au retour à l'école. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je veux regarder tout de suite. Je suis comme trop... Un regard sexy en eux, et en plus c'est écrit en français. Ça, je suis vraiment contente. Je veux dire, j'arrive à lire l'anglais, mais des fois, c'est pas tout le temps clair quand ils vont chercher des beaux mots. Donc, tellement intense que vous aurez le droit de dire non. Le mascara perversion glisse sur vos cils. Oh! Oh! Je suis trop excitée! Je veux même pas le... Non, je veux pas l'ouvrir. Je veux pas le gaspiller. J'ai acheté... Regardez ça. Je l'ai encore dans son angle. Comme je disais avant la tombée du rideau, j'ai encore dans son emballage le Miss Manga. Je ne l'ai pas encore ouvert et ça me tente beaucoup de faire un test entre les deux. J'ai vu des reviews sur celui-là et j'ai vraiment... Je suis comme vraiment contente de l'avoir là. J'ai vraiment de l'essayer. Donc, et ça... C'était à part. La pochette, elle... Oh! La pochette est là. C'est un genre d'étui à crayon. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Je trouve ça le fun comme format parce qu'on peut mettre des lunettes de soleil, des choses comme ça. Et là, je l'ouvre et on a, bon, 4 produits plus celui-ci qui était un démonstrateur. Donc, ça fait 5 produits ce mois-ci. On a un Yurt de Bone Grape. C'est un baume à lèvres, je présume, oui. Un petit baume à lèvres avec des brillants dessus. La texture est vraiment... OK, sur le coup, je m'en allais dire, ça me fait rappeler aux produits de Ardennes du début des années 2000, qui étaient vraiment un peu cheapette avec les glosses dedans, là. Mais la texture est vraiment fondante. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Donc, un produit que je vais traîner dans ma sacoche, c'est définitif. Je suis tellement excitée, là. Je sais pas ce que j'ai eu aujourd'hui. Ça fait une semaine. La semaine passée, j'ai eu une semaine de merde. On devait déménager. En fin de compte, on déménage pas. On a eu des rénovations imprévues. Ça a été plus long, ma cuisine. Je n'ai plus de cuisine. Là, c'est pas pire. Là, je suis rendue, j'ai des murs. Ça va super bien. Les gars qui travaillent pour moi... font du super travail. Je suis vraiment contente, ça va bien. Bientôt, je vais avoir une cuisine. Et là, j'ai un plafond au-dessus de ma salle de bain, donc je suis heureuse. Je pense que c'est ça qui me fait que je suis tellement surexcitée. Et là, j'ai ici... Oh! Oh! J'ai ici deux blushs. Encore des samples. C'est pas mal des samples ce mois-ci. J'étais un peu... Mais quand même... Sur le dessus, sur j'ai un rabais de 25% si j'achète le Forever Blush. On a ici un blush d'une couleur, un beau rose et un petit bronzer vraiment léger. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est peut-être un prochain coup de cœur. Qui sait? On verra. Mais tombe tout le temps, ça m'énerve un peu. Ensuite, le prochain produit. Alors, c'est le Pore No More de Dr. Brandt, qui est un affinateur de pores
base de teint. Ah, donc, ça doit être teinté. Ah, checker ça, il va être scellé. Oui, il est scellé. Donc, pour plus de sécurité, il était scellé. Encore une fois, j'imagine que c'est grâce au test que j'ai passé au début, mais la couleur est encore très claire, quoique il n'y a pas l'air d'avoir de teinte déjà. Mais c'est très fondant, c'est vraiment pas couvrant. Mais c'est le fun, ça a un fini très... ça a un fini très brillant qui ça couvre pas vraiment, mais comme base en dessous de mon fond de teint. Présentement, j'ai le fond de teint de Kat Von D, le fond de teint en poudre tenu 24 heures et il a un bel effet mat. Je l'aime beaucoup, les pores sont parfaits. Donc, ça, mixé avec ça, je vais avoir un teint. Wow! Ça va être écœurant. Et dernier produit, encore là, c'est un. J'ai le crayon à yeux de Tulip que je vous ai présenté dans mon ancienne vidéo. Ça s'applique comme un charme, donc t'as de la compétition, beau grand. C'est un crayon de Lord & Mary. C'est le 1001 Black Silk. Il doit être. Non, il est pas écrit en français, lui. Donc, c'est un crayon col noir. Il peut réussir à faire un trait fin, mais il n'est pas. Il n'est pas très clair, mais. Oh boy! Oh Seigneur, je suis pas sûre, mais vraiment pas sûre. J'ai l'impression qu'il va glisser à rien. Il n'y a eu aucune tenue. Il s'est tout de suite évaporé. Donc, ça va être à tester. C'était peut-être juste un premier swatch. Puis, hey boy! Si c'est ça, ce crayon aurait été ma première déception en 3 mois. Donc, je considère que mon abonnement à Ipsy est vraiment une très, très, très bonne affaire. Et si ça vous intéresse, comme moi, de vous inscrire, ça coûte 10$ par mois. C'est vraiment des échantillons ou des produits complets qu'on reçoit par la poste. Le paiement se fait le premier. C'est avec le frais de shipping et tout, ça m'en revient à 17$. 17$, je suis plus que choyée. À tous les mois, il y a un petit sac comme ça. Donc, le site, c'est www.ipsy.com. Je vais mettre les informations dans la barre d'informations en bas. Donc, c'est tout pour mon sac Ipsy du mois d'août. Je suis vraiment contente, encore une fois. Et en plus, avec le mascara que j'ai trop hâte d'essayer. Et les blushs, vraiment, encore une fois, je suis vraiment satisfaite. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Ça me fait vraiment plaisir quand je vois ça. Aussi, partagez, commentez, dites-moi si vous avez reçu la même chose que moi. Aussi, je vais prendre des photos. Donc, si vous voulez, j'ai Instagram, j'ai mon Google+, avec qui je partage toutes mes émotions. J'ai Twitter et Tumblr, vous pouvez toutes me retrouver en dessous de Celia Lab. En passant, je voulais dire merci. On est rendu à 16. Je suis vraiment contente. Passez une belle fin de journée. Bye!